Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. 19 ans, l'hôpital Saint-Luc a visé population en Port-au-Prince et l'autre ville provinciaux. Non, note que le rend public a lundi 31 mai 2021 que unité traitement maladie qui gagne infection respiratoire qui qu'on habitué recevoir dans l'hôpital ça et bien gagne gros problème, yo pas capable recevoir encore à cause que yo pas gagne place pour yo mettre monde qui t'a contaminé avec maladie COVID-19 là dans pays. Après invitation, ancien député commune Léogane, ancien commissaire ville et Port-au-Prince, Jean-Dotmet, Jean-Dotel Léger, joigne pour la répondre question commissaire gouvernement ville Tigouave, vendredi Cap-Vinla. Eh bien, il y a un secteur démocratique et populaire qui m'a donné un rassemblement populaire le 4 juin en solidarité avec Maître Dotel Léger. Cabinet d'instruction entendu à lundi 31 mai 2021, secrétaire général à Baro Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, dans le cadre d'un dossier Lamo, ancien bâtonnier Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Commissaire gouvernement ville Gonaïve, la maître Sarah Gazivis a annoncé qu'il mettait main sous Jacques Robert Guillaume alias Djeko dans le commencement week-end passé comme présumé kidnappé. Maître Réginal Michelin, qui est un avocat militant dans la ville Gonaïve, a déclaré que lui-même n'est pas campé derrière causé référendum qui a parlé là. Il y a une diversion qui a fait pour le président Jovenel Moïse arrêté jusqu'à 7 février 2020. Donc, nous étions 6 mois seulement pour année à bout. Et depuis notre dans le mois de juin, c'est le moment saison cyclone dans lui-même lui dérapé. Donc, attention, pas capon. On garde côté de mettre pied nous. Veillez tout ça nous gagne pour si toutefois la pluie t'avare sur nous mauvais temps. De l'eau t'avait une sortie pour le banou et mettre la cagane dans l'opéra nous. En rentrée, puisque m'a parlé de mauvais temps, je dis, hein, c'est un cyclone qui a dérapé, il y a l'autre conseil, hein, que, et, moun qui est responsable, mouvement, température, dans le pays d'Haïti, capable de porter sous pour nous, on voulait parler de madame Christelle Saint-Georges, mais depuis hier, on était constaté que la pluie t'a tombé dans plusieurs côtés, surtout le département de la Tibonite, là, où se voit-il de l'eau pâli. Je dis, mardi, hein, est-ce que n'a pas la pluie t'a tombé sur le département de la Tibonite, là? On a regardé tout ça, non, avec, Christelle Saint-Georges, qui est responsable météo dans le pays d'Haïti. Christelle, bonjour. Bonjour la jeunesse haïtienne, bonjour à chaque auditrice qui est déjà branché et tout le monde devoir pour nous informer dans cette situation tant concernée les zones Caraïbes là pour jeudi mardi qui c'est 1er juin 2021 UHM qui c'est unité hydrométéorologique veut rappeler population haïtienne là. Jeudi, c'est ouverture officielle, c'est un cyclonique là, sous océan Atlantique Nord, Golfe Mexique, avec bassin Caraïbes. Système ça, alors, c'est ça, a gagné pour l'arrivée jusqu'à 30 novembre, Cap Vinila. Selon les résultats dans cela, pour l'année 2021, saison ça, t'a doué plus active que je ne connais auparavant. Sept systèmes cycloniques, déjà non, 8 capables de vivre dans le stade ouragan, 4 capables de gros tonton au moins dans la catégorie 3, sous échelle, ça qui s'y prenant, qui gagne jusqu'à 5 catégories. UHM souhaitait une autre fois encore une plus bonne collaboration avec Patnelio pour faciliter le message là arrivé dans les oreilles de tout le monde, y compris le monde qui est plus vulnérable. Entre-temps, mais ça qui gagne dans les affaires météo dans les Caraïbes sous Atlantique, là, malgré présence d'une zone anticyclonique qui est au niveau Atlantique Nolan, eh bien, couche qui pi dans l'atmosphère, là, toujours gagne humidité, ça qui pral faciliter département centre, la Tibonite, l'Ouest, Nip, Grandance, bénéficier activité la pluie avec l'orage encore pour Assouya. Pour Port-au-Prince, avec zone qui entoure nous, possibilité d'activité la pluie, toujours qu'un bétou, dans quel côté qui tout près Port-au-Prince, à quel côté dans Port-au-Prince. Pour la meilleure, c'est prudence, zone côté nord, golfe Lagonard, à zone côté sud, côté vent soufflé jusqu'à 20 nœuds, hauteur vague élevée à 8 pieds, la meilleure cap mauvais,
nous mandons des embarcations, yo, tant pris souple, pote plus vigilance, plus prudence, l'un sous la mer. Soleil là, il a pleuvé matin à 6h13, il a couché à 7h15, pour lever demain matin à 6h14. Température, vive col pendant la journée, entre 28 à 35 degrés Celsius en moyenne, et la tombe dans la nuit là, entre 18 à 25 degrés Celsius en moyenne. C'est là nous mettons un bout dans ça qui vient pour nous dans affaire météo. Un petit rappel encore pour jeudi, c'est 1er juin 2021. C'est ouverture officielle saison cyclonique là. Eh bien, il y a 17 systèmes cycloniques qui déjà gagnent. Il y a 8 qui sont capables de briser dans le stade ouragan. Il y a 4 qui sont capables de briser au moins dans la catégorie 3. Dans l'échelle, ça fait Simpson qui gagne 5 la donne. N'a pas remercié l'équipe là, auditeur, auditrice. Nous souhaitons passer un très bon mardi. Déjà, bienvenue dans l'ouverture saison cyclonique là. Nous souhaitons une plus bonne collaboration avec tout le monde qui était dans la zone qui est vulnérable. Déjà, bon mardi. Bon mardi, Christine. Nous déjà gagné tout détail sur ce qui paraît pour la saison cyclonique là. Donc, ma pardon, c'est nous qui sommes capables de possibilité pour nous donner des météores même deux fois dans la journée, surtout dans le deuxième journal. Si toutefois, tu as un mauvais temps qui va être sur nous, mais si tu as un mauvais temps, nous avons toujours qu'à un météo chaque matin à 9h. N'a pas entré dans ce pour avec un dossier maladie COVID-19 là. Dernier bulletin qui sorti beaucoup de ministère de santé publique là, montré que bagala pour augmenter chaque jour plus. Gain 146 nouveaux cas qui confirmés dans dernier 24 heures qui sont passés là yo, gain deux monde en plus qui t'a mouri en bas maladie COVID-19 là. Donc qui vient ba au total 14 711 monde attrapé maladie COVID-19 là dans pays d'Haïti. 2258 monde aller l'hôpital, gain 319 monde qui t'a fait voile pour payer sa chapeau qui t'a mouri. Et puis, il y a 12 552 moun, yo même qui t'a traité, donc, qui augmentation ça a, vient de montrer que maladie a développé chaque jour, puis plus dans le pays. Dans ce qui est pour avec le département de la Tibonite, là, eh bien, chiffre a augmenté. Dans la ville de Saint-Marc, il y a un monde qui trappé maladie dans les derniers 24 heures qui sont passées là, pas de monde qui mourit. Dans la ville de Gonaïve, il y a un monde encore qui joint avec la maladie COVID-19 là, dans 24 heures qui sont passées là, pas de monde qui mourit, et puis Verrette, lui-même l'échappé avec trois mounes qui t'attrapé maladie dans la commune Verrette. Par exemple, qui mourit dans les derniers 24 heures qui sont passés là, yo. Grand monde qui mourit, c'est dans gros monde qui est lié, et dans les derniers 24 heures, ça y est, et par exemple, qui mourit dans la commune, non, et donc, dans le département de la Tibonite, là, nous capables de dire que jusqu'à présent, nous, et pas gagné aucun monde qui mourit dans les derniers 24 heures qui sont passés là, yo. Seulement gagné 5 monde qui t'attrapé maladie, hein, dans le département de la Tibonite, là. 3 dans la ville, dans la commune Verrette, une dans la commune Gonaïve, l'autre là, dans la commune Saint-Marc. Qui vient en total depuis maladie en rentrée dans le pays, nous avons 156 personnes qui ont trappé maladie dans le département de la Tibonite. C'est la dernière information qui sortit dans le sac avec maladie COVID-19 là dans le pays d'Haïti. Côté maladie, lui-même continue à faire rage en pile monde à trapper maladie. Puisque il y a un peu de monde qui chaque jour et qui ramasser maladie COVID-19 là, eh bien gagné l'administration de l'hôpital Saint-Luc là n'importe où presse fait population connaît que y a une grosse difficulté, y a beaucoup là, y a pas capable de recevoir aucun monde qui t'attrape maladie COVID-19 là après nouvelle vague là qui liée à la pandémie a frappé pays dans l'estomac. À cause de cas contamination, yo, qu'après, y'a recevoir chaque jour plus, unité traitement infection respiratoire aiguë, depuis mars 2020, qu'on y a, y'a trouvé un moment côté, y'a saturé, ça veut dire, y'a pas de place encore pour y'a mettre le monde qui t'attrape maladie, d'après une note qui rend en public par responsable institution sanitaire, ça, qui c'est hôpital Saint-Luc, qui a traité le monde qui t'attrape maladie COVID-19, là. En conséquence, institution en question a conseillé population pour être à l'autre côté. Donc, aller dans l'hôpital Mirbalea pour y aller recevoir un traitement yo, ka yo ta a mérité, surtout si yo ta gen malaise respiratoire, qui gen pour avec maladie COVID-19, là.
Donc, étant donné que c'est moun qui responsable à mission yo, l'hôpital Saint-Luc, on l'autre fois encore, montré volonté pour continuer à accompagner la population et le promettre pour le travail, pour le porter solution que le capable non a fait maladie ça il espérait que gamon a quitté l'hôpital la cal la caillou mais pour qu'on est là il annoncer tout le monde que Jean situation présenté là il pas capable recevoir pièce monde qui t'a attrapé maladie COVID-19 là dans moment si là. En attendant ça gain pour avec dossier la justice depuis hier a gagné une note qui sorti bon côté et tribunal première instance Ville-Tigouave mais principalement parquet Ville-Tigouave là eh bien hier semaine passée nous songeons dans Philippe par week-end non maître Danton Léger déclaré que la mettait gouvernement en défi pour la mettait campé bureau vote pour affaire référendum dans la commune Léogan côté c'est l'almonde et puis il te dit que lui opposé catégoriquement avec un projet ça que président Jovenel Moïse a soutenu depuis bon bout de temps il t'a même menacé pour t'a médifé et inviter population fait même genre avec empêcher activité ça fait dans Léogan. Après déclaration ancien commissaire gouvernement tribunal la première instance porte présence pour pendant Jocelyne Privé était président eh bien gagné investigation qui t'a mené son vidéo qui a monté un groupe individu parmi eux ancien député hein, et maître Jean-Dotto Léger qui était gagné dans la plusieurs manchettes qu'elle t'a montré comment il pourrait saboter un bureau référendum non qui prévoit pour 27 juin qui vient là en conséquence gagné un mandat yo t'a mité derrière ancien chef paquet capital là qui trouvait le kounia dans la tourmente puisque elle obligé à chercher avocat pour aller défendre cause là gagné commissaire gouvernement ville Tigouave là maître Jean-Emmanuel René qui invité maître Jean-Dotto Léger pour le présenter dans paquet juridiction Tigouave là vendredi 4 juin qui vient là à 10h du matin. Invitation ça, mais Dr. Léger a bien pour le bailler explication qui vient pour avec une vidéo qui a roulé sur les réseaux sociaux, côté qui a pile manchette qui t'a montré d'après une autre qualité mettez dehors. N'a pas oublié que M. Dr. Léger, c'est pas seul monde qui était menacé pour saboter et même mettre du feu dans le bureau vote show, puisque il y a un président tiré Sénat République là, Joseph Lambert, lui-même tout, a déclaré l'a empêché élection faite dans le département sud-est. À un tel point que ministre intérieur lui Gonzaga dit annoncé ligue code 9 pour le marier tout le monde qui t'avait écrasé mouvement référendum dans le pays dans date cabine là il faut dire jusqu'à présent tout le monde mettait tête sur droite sur affaire référendum non eh bien il y a un secteur démocratique populaire qui gagne en tête les porte-voix li mettre André Michel qui réagit après invitation à avocat militant politique là mettre Jean-Dotto Léger t'a recevoir pour aller dans paquet Ville-Tigouave 4 juin qui vient là c'est commissaire gouvernement Jean-Emmanuel René qui a parlé après vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux et bien secteur démocratique là une note qui rend public hier lundi là déclaré à partir de vendredi l'immande public la population pour aller camper devant tribunal là pour empêcher activité pour porter solidarité au plutôt avec maître Jean-Dotto Léger secteur démocratique là condamné avec toute force convocation politique ça et que le croit que c'est une sorte de persécution politique qu'a fait côté yo t'a mis des mandats derrière maître Jean-Dotto Léger c'est comme c'est quoi Black Tafel convocation ça c'est un acte d'intimidation un acte de répression politique qui pas acceptable bon côté dirigeant opposition yo dans ce sens yo mandé à la population pour y aller gonfler koyo jusqu'à vendredi devant tribunal là pour y aller remettre ba commissaire gouvernement ça le mérité secteur démocratique là annoncé que y a accompagné maître Jean-Dotto Léger et yon même pour y aller répondre à la question qui gagne avec mandat ça. Secteur démocratique là invité toute population dans la région, dans le congrès, Léogan, Gagouave, Tigouave, Miragouane, dans un grand rassemblement politique qui a fait vendredi 4 juin 2021, depuis le fait 9h du matin, pour jusqu'à 6h de l'après-midi, devant Palais de Justice, Tigouave là. Secteur démocratique et populaire, sollicité participation tout secteur dans la vie nationale là, parti politique, yo, société civile là, diaspora, avocat yo, famille, jeunes, paysans, et principalement dirigeants militants,
citoyens conséquents dans 10 départements paysans, diaspora, pour manifester démocratiquement. C'est pas l'occasion pour signifier le monde entier que yo pas n'a causé référendum inconstitutionnel ça que président Jovenel Moïse déterminé pour le faire dans pays. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à nouvelle internationale dans 30 minutes. 63.5 Radio Pyramide, chaque jour 9h du matin. N'a voté dans notre domaine actualité, information en pile matin, il y a un cabinet d'instruction qui tendait hier lundi 31 mai, secrétaire général Barreau Port-au-Prince, maître Robinson Pierre-Louis, dans le cadre de dossier la mort, ancien bâtonnier Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, qui était mouru, assassiné, le 28 août, l'année 2021, devant Port-la-Caille, dans Pèlerin 5, dans Pétionville, dans le département de l'Ouest pays. C'est juge Renaud Régis qui invite 8 personnes dans le dossier ça parmi eux gagné madame président république là Martine Moïse. Maître Robinson c'était premier monde qui était tendé dans le dossier ça et sous affaire maître Montferrier d'Orval. Après audition, secrétaire barreau Port-au-Prince fait qu'on est commissaire gouvernement Port-au-Prince te recevoir ordonnance ça depuis 24 mai passé. Cependant, il pas jamais fait suivi dossier ça côté le pas voyer aucune citation by pièce monde qui implique dans l'invitation. Maître Benson Pierre-Louis déclaré c'est parce que son monde qui intéressé dans ce dossier ça qui fait le tribunal là, mais il ne pourra jamais recevoir citation dans le commissaire gouvernement Port-au-Prince. En tant que déclaration, Maître Robinson Pierre-Louis. Moi, ça, je demande pour quelques personnalités présentées devant nous, suivant ordre de l'établir, et il paraît que c'est mon premier jour qui s'est joué. Donc de 31 à 21, moi, je suis cabinet, c'est la période d'établir pour donner tout le monde. Mais c'est avec un peu de tristesse tout en plus à ma dernière, c'est vrai nous l'aller, j'attendais parce que nous déconnons joie et il était disposé à faire ça parce qu'il voulait travailler et nous féliciter le gouvernement. Sauf que, il y a, commissaire gouvernement recevoir ordonnance depuis le 24, depuis les juges dans l'année. Le commissaire gouvernement n'a pas fait suivi au article 59 de la ligne claire. Ils disent, juge à l'ordonnance, ils voyaient le commissaire gouvernement, le commissaire gouvernement cite Mounio à Gomaï. Jusqu'à présent, le commissaire gouvernement n'a pas vu aucune citation par personne. Moi-même, je suis fini parce que je ne suis pas intéressé, je ne suis pas civil, c'est Baoua, nous avons intérêt dans cette affaire-là, nous voulons Baoua avancer. Mais le commissaire gouvernement n'a pas aucun intérêt. Et je dis ça publiquement, et je dis à tout le monde que le commissaire gouvernement va faire aucun suivi avec ordonnance que le juge d'instruction rend pour le monde de comparaître. Donc, alors que je dis à mes supposés droits, je ne vais jamais recevoir. Et ça fait toujours parler avec les journalistes, je me dis, je ne vais recevoir rien jusqu'à date. Et jusqu'à présent, je suis dans le cabinet d'instruction, je ne vais recevoir rien. Mais est-ce que c'est la volonté de venir? Moi, je viens avec volonté parce que je suis parti intéressé. Et comme de fait, moi, je suis parti civil. Je suis parti barreau, c'est parti civil. Mais est-ce que pas vos problèmes dans l'égalité ou disons là, puisque pas qu'il n'y a pas fondé? Pas qu'il n'y a pas paru sous cette invitation du juge, s'il te plaît. Mais comme la loi dit, c'est pas citation, et le juge a lui-même des obligations pour l'obéir à ça, la loi dit, donc il fait. Pour nous, le juge lui-même, il doit décider par la dev. Il doit décider. Et comme de fait, on pensait que il y a un droit pour décider de l'autre monde, mieux tant que le commissaire gouvernement n'a pas la responsabilité. Oui, moi, je me déposé samedi que je me dis, et puis bon, voilà. Mais est-ce que si le parquet en retour, il n'est pas retourné à l'audition là? Le parquet va gagner pour le dans cette audition. Nous avons des déclarations, maître Robinson Pierre-Louis, qui est secrétaire général à Barreau, l'ordre avocat dans Port-au-Prince, qui était présent hier devant juge Renaud Régis, dans le cadre d'enquête qui a continué sous le mot maître Montferrier d'Orval, qui était ancien bâtonnier, l'ordre avocat dans Port-au-Prince. N'a pas toujours été dans sa quimpo avec dossier justice, mais ce fois ça a rapporté dans la ville Gonaïve, le commissaire gouvernement ville Gonaïve, là. Mais la série à Gazilis avec la police, mène une opération dans le commencement week-end passé à la ville Gonaïve. Côté où t'es arrêté, Jacques Robert Guillaume, alias Djeko, pour implication comme présumé, dans un cas kidnapping qui était fait dans sous Pasteur, dans zone Asifa. Elle a participé tout comme présumé dans kidnapping qui était fait sous Litana. Arrestation ça fait dans rue Égalité, dans ville Gonaïve, la police. C'est deux âmes à la Kali n'ont perquisition qui était faite même jour. Comme c'est le gouvernement Ville Gonaïve, M. Agazis, ça fait qu'on est Jacob et Guillaume fait partie du groupe gang qui a fonctionné dans le réel fleurissant. En tant que déclaration, comme c'est le gouvernement Ville Gonaïve, M. Agazis. La justice, la police, nous pas arrêter, nous pas chômer.
Pour que nous pas chômer, nous toujours à travail. Peut-être nous pas aller dans le sens une série de monde, mais la justice, la police, nous pas chômer, nous travail. Nous songeons premier kidnapping ville là te connaît, nous toujours à travail sur lui. Nous songeons deuxième kidnapping, c'était un pasteur qui a kidnappé dans Riel à Sifa, n'a travail sur lui. Nous pas chômer, c'est ainsi que nous continuons à chercher monde qui impliqué dans kidnapping ça. Maintenant nous arrêter un certain de Jacques Robert Guillaume alias Djeko, chez un petit blanc tout. Nous arrêter monsieur. Monsieur, c'est un nègre qui a participé activement dans le cas de kidnapping qui fait derrière. Et nous avons l'autre n'arrête encore, son certain de Robinson, qui est en prison actuellement là. C'est lui-même qui a veillé si dame. Nan. Ça veut dire nous-mêmes, nous pas chômés, nous continuons à chercher. Nous avons des informations, nous avons traité et nous avons avancé, nous avons rivé à petit pas sur tout le monde nous pour nous rivé qui participer dans la question de kidnapping qui a fait dans la ville là. Parce que ça, c'est un crime. Et au connaît depuis que le kidnapping qui a fait, il décapitalise la population. Parce que les kidnappés au monde, ou oblige à prêter quoi, qui ou pas même espéré gagner pour aller pour aller. Et qui j'en va faire remettre, li, parfois, moun nan vend tout ça gagner, malgré ça, il pas qu'à fin payer. Avec des questions kidnapping, non, il décapitalise la société, hein, décapitalise la population, hein, nous par rapport à la légère, n'a plus à voir sur lui. Ça veut dire toujours est-il, dans quatre kidnappings qui étaient faits sur Gonaïve, nous gagnons arrêté deux, nous gagnons là, nous gagnons Robinson, c'est lui qui a veillé, t'y dame, non. Léo te kidnappé là, Michel en bas-côte, la répondre une question qu'on y a. Nous gagnons Jacques Robert, alias Djeko, Michel a répondre une question aussi. Tout le monde s'est participé activement dans le cas de kidnapping qui fait dans la ville là. Et si vous regardez, Djeko, nous jouons Zam, la Kali. Et il commence à parler avec nous. Il commence à faire d'autres révélations que nous pas pour nous dire là. N'a pas avancé, il collaborait très bien. Je pense que dans le jour qu'il vient, il y a un autre nègre encore qui a pas connu. Commissaire, nous constatons que le réseau Riel Fleury, c'est un grand grand pile, garçon la donne. Bon, pas oublier, c'est la majorité n'a pas nègre de l'OE. Et c'est parfois, ça quand même la plus difficile. C'est plus fort que le nègre Fleury, c'est même l'OE. Qui a arrangé encore gang pour troubler la paix publique, pour perturber la population. Mais n'a privé, parce que chaque s'en arrêté, ils mettent nous sous des pistes, ils ont aidé nous comprendre le fonctionnement et puis bien, et puis je pense qu'il n'a pas avancé. N'a dit population, continuez, collaborer avec nous. Parce que c'est grâce à la collaboration qui permet de privé sur eux. Avec dit, nous dit population, continuez, aider nous, continuez, collaborer avec nous pour que eux-mêmes soient capables de vivre en paix. Parce que je toujours dis, la question de sécurité, elle ne revient pas seulement au commissaire du gouvernement, à la police. La question de sécurité, elle concerne nous tous. Et nous tous pour qui mettez main, pour que nous joignions la paix à chercher. Et nous-mêmes, nous travaillons pour nous aider la paix à retourner tout bon à Gonaïve. Est-ce que c'est même ramification avec M. Toussabio? Oui, c'est même gang là qui a fonctionné. Nous gagnons la fois dernière, où on est, Tilio Mouri, Tilio Michel. Nous t'ai arrêté, c'est dans même bagaille kidnapping qui t'ai fait dans Riel Fleury en bas. Monsieur t'ai venu sauver dans garde à vue côté t'ai dans commissariat. Malheureusement la fois dernière, monsieur font braquage en roi et puis population a tué monsieur. Et sous garde ou t'a pour exam dans même monsieur, zam nous joindre dans métier il y a son maison de transfert qui dans Riel Fleury en monsieur t'ai cassé, il était tout point zam nèg là et puis c'est même exam ça là l'opérer. C'est pour montrer nous c'est rat kay k'ap manger paikay. Ça veut dire c'est pas moun qui saute trop loin yoye, c'est moun la ville là qui organise pour perturber fonctionnement moun dans ville là et ben nous-mêmes n'a privé. Nous t'attendons des déclarations commissaire gouvernement ville Gonaïve là met Serra Gazius. N'a voté dans sa gain pour avec un dossier référendum non gain met Reginald Michelin qui c'est un avocat militant dans Barreau ville Gonaïve là qui fait connait question référendum non et cap parler à c'est une diversion président Jovenel Moïse a fait pour le arriver 7 février 2022 met Reginald Michelin quoi faut que référendum non cap parler à il pas faisable côté le point constitution 1987 là qui interdit causer ça mais il parlait tout de ça qu'a fait là, c'est action, yon apprenti dictateur. Maître Reginald Michelin déclaré ouvertement, lui-même, lui pas dans question référendum, non. En temps de déclaration, Maître Reginald Michelin. Question de référendum, en partant, par rapport avec un changement de constitution, vina une nouvelle constitution. Pour moi-même, personnellement, moi, c'est une diversion, la grande diversion, pour permettre à président Jovenel, lui-même, pour le capable, arriver à quelqu'un là. C'est-à-dire pour arriver à 50 ans,
fait en pile par en pile et puis vrai objectif lui-même pour l'atteindre. La question des référendums, est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il n'est pas faisable? Au regard de la constitution de 29 mars 1987, c'est formellement interdit de changer la constitution ça par voie référendaire. Mais cependant, l'on a apprenti de dictature, ou bon apprenti dictateur, qu'on a pas le besoin de bagaille qui est un élément clé, qui est le rapport de force. En politique, le rapport de force compte beaucoup. Le rapport de force et le momentum. Le momentum, le rapport de force. Qu'on y a six pouvoirs par rapport avec monde qui en face, par rapport avec société ça qui démissionne, qui pas éduqué, qui pas comprendre rien. Nous pas qu'à courir dit ni Will Kafel ni non pas qu'à faire ce rapport de force. Palio parce que jusqu'à présent un rapport de force où est monsieur le même l'a marqué le pas. Parce que le pas grand adversaire politique, il pas grand opposition vraiment formelle qui en face qui a contourné ça l'affaire. Qui a détourné dans toute attention. Et la vraie solution pour le trouver dans mes peuples là, comme grand monde toujours dit, c'est les joueurs arrivent à quoi ça a fait, à ça pas fait. Parce que grand pile gros parole qui a parlé, grand pile gros cause qui dit, eh bien, il ne reste que d'attendre. Gagné une grosse réaction qui sorti, gagné beaucoup d'opposition qui commence à faire distribution manchette. Avec le monde qui constate le finissement du week-end dans l'Éogan, il y a un ministre intérieur ensemble avec le ministre Aïssissan qui a décidé de faire un référendum dans fait quand même. Dans ce sens, est-ce que nous croyons qu'arrive capable de déboucher son guerre ou bien une bataille dans la mi-temps société? Alors, Haïti, par rapport à la question de changement de constitution, ça, que vous voulez faire par voie de par référendum, le 27 juin qui est venu là. Haïti, son pays, m'barre le comme un pays ordinaire. Haïti est un pays extraordinaire. Actuellement, on a vivre là toutes choses possibles. Toute bagaille qu'a fait. Les matins, ils prennent pouvoir, nous dégradent. Les matins, ils partent même quatrième dans l'élection. Mais avec tous les moyens et avec l'appui de la communauté internationale, où est tout ça qui est fait, finalement, les matins, ils arrivent au pouvoir. Avec ce même couloir, où est Jovenel. Eh bien, qui frappe par l'épée, pire par l'épée. Si c'est avec manchette, couteau, bataille, yo te fait zam pour yo te prendre pouvoir. Eh bien, si c'est bataille, zam, peuple la prend tout, manchette, achapika, tout ça au gain pour yo contourner Jovenel, l'attention, toute chose possible. Moi, je ne dois pas appuyer, des autres là. Mais si c'est la grande majorité qui voulait des autres là, moi-même, je dois petit pour m'en faciliter. Je ne dois pas pour référendum. Moi-même, personnellement, au regard de la loi, je ne dois pas pour référendum. Nous avons des déclarations, maître Reginald Michelin, qui sont avocats militants en bas au l'ordre, avocat Vilgounaïvio, qui t'a réagi sur dossier référendum, non. Pour pasteur Sadraka Dieudonné, ancien député commune Gonaïvlan, membre président Mokena, référendum, alors président Mokena pour petit bouton, référendum qui prévoit pour fête là, c'est tout simplement pour capable permettre régime PHTK arrêter sous pouvoir à pour protéger dirigeant Léo pas sous pouvoir encore. Président ancien député Ville Gonaïvlan, pasteur Sadraka Dieudonné, lui-même mandé à la population pour continuer à mobiliser pour capable camper en quoi contre un projet SILA. Nous parlons vite autant des déclarations, président Petit Bouton Mokrina, ancien député commune Gonaïvlan, pasteur Sadraka Dieudonné. Mokrina a préparé un document d'analyse du projet du changement de la constitution de 1987 par le pouvoir en place. De telle sorte que nous faisons un travail didactique, un travail pédagogique. Référendum constitutionnel Jovenel Moïse, qui sont président de facto, c'est un projet qui tient à lui-même en pile. Yo voulez coûte que coûte renouveler tête yo au pouvoir, de telle sorte que yo capable d'aller tête yo en certaines garanties, sécurité, yo pas traîner yo dans le tribunal, traîner la justice. Quand ça coûte que coûte, yo voulez organiser l'élection. Or, référendum constitutionnel là, c'est préalable lié pour eux-mêmes à l'organisation des élections. Et l'obstacle là, il n'y a qu'à l'autre bagaille, c'est le peuple là qui pour empêcher que le référendum soit organisé. Tous les Haïtiens de bonne volonté, besoin unis pour nous faire échec à projet ça, monsieur Dame Sayo, qui, le conseil électoral illégal ça. La faire songer que vous pas prêté serment. De telle sorte que, qui a posé, action qui a entrepris, yo nul et non avenu, et on joue, il y a bien de juger pour usurpation de titre. Même genre, président Jovenel Moïse, toute personnalité qui a lié avec lui, yo tout y a gagné pour rendre compte pour ça qu'il a fait des gars là. Nous avons les déclarations vice-président Mokrina, qui c'est en même temps ancien candidat, ancien député Ville Gonaïvlan, pasteur Sadraka Dieudonné.
Gen ancien sénateur département l'Ouest, Antonio Cherami, qui pas bailler trop importance ensemble avec un autre ministère justice et sécurité publique là qui menacé pour capable agir à toute sévérité contre tout monde qui t'a empêché de rouler référendum là. Ministre dirigeant matrice libération an, et Antonio Cherami alias Adon Kato et fait connaître que annonce ça pas faire ni chaud ni fret, au contraire il annoncer plutôt une opération qui portait non dégapissement légal à rébellion nationale contre référendum. Non, il renouvelait toute détermination avec un collègue Lio pour capable camper en quoi contre régime Zila. En temps de déclaration, ancien sénateur département l'Ouest, Antonio Cherami alias Don Kato. Il y en a premier bagage nous voulons que le gouvernement connaît. Annonce-nous, nous campions d'elle, et c'est toute entité en dans la communauté qui est même clair dans la parole. Si tu as un pouvoir qui est légitime, tu t'as compris ça veut dire les peuples parler. Mais étant donné que c'est des de facto, son gang qui pour payer en otage, parce que je me toujours dit tout le monde peut acheter qu'à son gang qui a évolué dans différents niveaux en dans le pays. Et c'est ça que fait aujourd'hui à même, ils voulaient changer la constitution pour être capable de protéger tête par rapport à toute dérive, tout dégât, tout viol, tout crime, tout vol qu'ils ont fait dans le pays. Nous-mêmes, là, nous dit dégapissement légal, faut nous mettre légal là-dedans. Parce que article 134-2 constitution, clairement que le mandat Jovenel fini, sous base légalité que nous-mêmes nous gagnons pour nous dégapir, eh bien, c'est ça que fait nous dit, de toute façon, nous ne pouvons pas plonger dans un débat référendum pour n'oublier que c'est des mondes mandats finis, c'est des mondes qui pas gain droit dans place côté que nous hein. Nous-mêmes nous disons, nous lancer moi juin comme au mois dégapissement légal et nous parler des rébellions nationales parce que c'est bon bagaille qui doit être dans la capitale là seulement. Et nous féliciter différents départements tant que nord-est, nord-ouest, tant que Latibonite, sud-est, sud, le Grand Nord, qui déjà eux même voyez signal que la caillou et me passer sous base ça, nous-mêmes nous lancer dégapissement légal et nous lancer rébellion nationale là parce que c'est tout haïti. Dégapissement, nous connaissons nos projets déjà. Son projet pour nous retirer Jovenel dans tête pays. Et c'est un projet qui lui-même, j'en ai dit, qui a même rêvé par déchouquer PHTK dans tête pouvoir, dans tête pays. Déchouquer PHTK veut dire pour nous retirer mon modèle Mounsaïo dans tête pays. Et peuple là lui-même, c'est lui-même qui connaît, qui j'en vois gérer l'histoire ça. Parce que bataille, 27 juin, si date ça pas pour Jovenel seulement, li pour peuple haïtien tout, li pour tout le monde qui a goumé, tout avant-gardiste, force progressiste qui est dans le pays, qui est dans la société civile, qui est dans l'organisation de l'amour, qui est dans l'église qui jodi a prononcé le clair sous conjoncture. Moi, je pense, jodi a bataille que nous devons mener. Son bataille n'a pas mené et moralité avec éthique, c'est deux bagailles qui devant nous, parce que la constitution n'a pas de droit à violer. Et n'a campé pour nous goûter. Moi-même, dans le département de l'Ouest, m'a pris responsabilité et pas de monde qui a arrêté parce que c'est constitution pays qui me dit non, je ne vais pas violer. Cri que nous lançons rébellion nationale là, ministre justice, c'est un monde qui a dû déchouquer dans tête pays parce que le monde n'a pas de place. Et notre ministre justice là n'a pas fait nous ni chaud, il n'a pas fait nous ni fret. Au contraire, nous encourager tout groupe progressiste au Vinchita pour les nous finir faire dégapissement légal ça, pour nous capables rapidement rentrer dans la conférence nationale pour nous connaître qui chante nous pour aller gérer le pays nous sans criminel international ça yo, sans qu'on dise ça yo. Déclaration Antonio Cherami alias Adon Kato, ancien sénateur département l'Ouest, qui t'a parlé sous dossier interdiction pour moun nata alcrasé bio référendum yo. Dans un tweet, le président de la République, Mité de Yor, il fait qu'on est jeudi mardi, qui c'est 1er juin 2021, depuis le fait inel l'après-midi, il y a rendez-vous à toute la population haïtienne sur Facebook pour une intervention en direct. Et côté que le poil parler sur dernier mesure, il a envisagé pour lutter contre la maladie COVID-19 là, dans le pays. L'autre média qui est en ligne, a pas assuré également pour faire retransmission si là. Rendez-vous, c'est jeudi à 1h, président de la République, Jovenel Moïse. A parlé sur tous les réseaux sociaux sur la maladie COVID-19. Là. En allant dans le département de l'Ouest pays, l'école privée a demandé au président de la République, Jovenel Moïse, à tout le ministère de l'Éducation nationale, Pierre-José Agenor Cadet, pour bailler l'argent subvention qui a été promettue pendant la période de corona. On a parlé de corona la première fois. Professeur Sayo, qui gagne un joint accompagnement professeur Sibgo pour NEC, et puis mandé solidarité toute l'école la publique yo, dans le département nord-ouest. Voyons Pinga, bah, y a un régime PHTK qui est sous pouvoir pour le dire c'est toutefois. Il n'y a pas joué l'agence subvention, les affaires référendum qui a parlé dans le département nord-ouest, pas capable à fait, même déjà, il était déjà capé en quoi
contre lui. Donc ça a pas passé dans le département nord-ouest, là, particulièrement dans la commune Bassin Bleu. Plus de détails à correspondant nous, c'est Jean-Louis qui s'est depuis le département nord-ouest pays. Dans une rencontre avec la presse, journée lundi 31 mai 2021, ça, professeur l'école privée dans la commune Bassin Bleu, mélangé avec professeur Ponek Absugo, réclamé une autre fois encore l'agent subvention régime de facto en te promettio pendant période maladie corona. Professeur ça qui était vraiment encore les journées ça voyons mise en garde by président de facto à monsieur Jovenel Moïse avec tout ministre éducation nationale monsieur Pierre Josué Agenor Cadet pour dire si toutefois yo pas joine comme subvention ça qui c'est pas un cadeau conseil référendum champion Jovenel Moïse avec toute équipe PHTK à entreprendre à travers pays d'Haïti à continuer faire échec dans nord-ouest particulièrement dans la commune Bassin Bré, pendant qu'on demande solidarité toute l'école publique dans le département nord-ouest, pour s'arriver faire pouvoir de facto ça, respecter parole, ensuite faire échec à référendum tête chat liant. Côté comment bien santé. 2020, nous devons fermer l'école avec deux cas, nous avons dit que c'est deux cas nous avons enregistré. Nous venons ouvrir avec des milliers de cas. Nous avons dit toute l'école privée, nous avons fermé. N'a pas subventionné, nous pas jamais fait ça. L'État n'a pas gagné volonté pour le faire rien. L'État n'a pas gagné volonté pour le faire rien. Et nous même tendons l'État à parler de questions qu'on a encore. Ça veut dire même Pimpette là, pour arriver là encore. Eh bien nous-mêmes, nous lançons Pingasa, nous-mêmes, directeurs d'école, professeurs, directrice, si nous pas ta joindre l'argent subvention ça, l'État te promet nous, et c'est pas en faveur, la fait nous, l'argent est venu, l'État fait ça au connaît, il fait ça au vle, avec l'argent, il oublie, l'école, il te promet, il te fermé, il te fait bon million, yo, sous l'école, yo. Oh, je ne dis pas, nous pas ta joindre, yo. Nous, des questions. L'école y était prenant Sugo, l'agent Sugo, n'a pas demandé ministre éducation, président, dégagez-nous pour nous bailler l'agent ça. Après ça, nous apprenons que nous dit, nous pourrons parler de référendum la date 27 là. Si et seulement si nous pas jouer l'argent, subvention, nous pas jouer l'argent, Sugo, bagay ça. On lance un pinga by l'école publique pour solider avec l'école privée. Sinon, ce sont les référendums là. Pas passer et la bloquer toute l'école dans le soir bloqué. C'est quoi ça, nous sommes comme et corona. Et voilà, nous va dire je dis à nous demander pressé pour le président et ministre de l'éducation pour voler comme ça dans le département nord-ouest. Qui dit mais non l'école qui était sortie, qui s'en allait, qui est volé. Professeur Sao qui était vraiment encore là fini pour dire. Si toutefois, Jovenel Moïse et tout Agenor Cadet pas décidé de faire l'agent subvention ça, qui c'est pas un cadeau, dans le jour pas le vini là, yo pas commencer à passer à l'action, qui c'est marcher, bloquer toute l'école privée, tant que publique, à travers le département nord-ouest, là. Pas simple. Département nord-ouest, Saint-Jean-Wiskis, Pyramide FM. Merci en pile, là, Saint-Jean-Louis, qui, avant d'aller, n'a pas appelé que le ministère de l'Éducation nationale, mettez une note, de yon. Côté l'annoncé, alors, note, là, il y a deux parties là-dedans, directeur de l'école privée, yo, toi, pour l'État auto, public, yo, yo capable d'avancer date, examen pour l'autre élève, yo, qui pas examen officiel, yo, même, dans l'école, yo. Et puis, date, chaque pour avec examen officiel, yo, date, yo, jusqu'à présent, yo, était inchangé. En l'autre côté, dans notre salle, il dit que li complètement, il est formellement interdit pour gain activité et graduation qui fait dans l'école avec un journée créative capable rassembler plusieurs élèves. Il a pris mesure ça pour empêcher propagation maladie COVID-19 là, qui veut dire que aucune école n'est pas autorisée pour faire graduation ni tout faire mouvement journée récréative. C'est une note qui sortit dans le ministère éducation nationale. Et c'est là que nous mettons bout à le développement journal La Vérité sous tambour. C'était deuxième sortie nous pour semaine ça, mais première sortie nous tout pour mois de juin. On a rappelé que jeudi, c'est 1er juin, c'est saison cyclone qui l'ouvre. Donc, pour toute précaution, nous, puisque à n'importe quel moment, nous capables de mauvais temps qui varie sur nous. Quelques-uns plus gros points de développer pour nous dans le journal, là, l'hôpital Saint-Luc.
qui informé que yo pas capable recevoir moun qui trapé maladie Covid-19 là encore à cause yo pas gain place dans l'hôpital là. Yo mandé pour moun qui t'a trapé maladie, yo ta mis tête sur l'autre côté pour y aller derrière la soignée, mais yo même yo saturé, yo pas gain espace pour recevoir moun qui t'a trapé maladie Covid-19 là. En parlant de maladie Covid-19 là, il y a une note qui sorti bon côté ministère santé publique qui fait qu'on est que 146 nouveaux cas avec deux mouns qui t'a mouru dans dernier 24 heures dans ce passé là yo moun sa yo t'attrapé maladie Covid-19 là dans pays ça qui t'a augmenté plus mouns qui t'a gagné maladie à 14711 mouns qui t'a attrapé maladie gagné 319 mouns qui t'a mouru en bas maladie Covid-19 là dans dernier note qui sorti bon côté ministère santé publique. Dossier justice, maître Dr. DG invité dans paquet ville Tigouave pour menace contre bureau voto dans une note qui sorti bon côté et paquet premier paquet ville Tigouave. Il y a un secteur démocratique et populaire qui mandé à la population pour y aller débarquer jour cap vendredi 4 juin 2021 devant le tribunal là depuis le fait 9h jusqu'à 6h pour yo porter solidarité yo ak maître Dr. DG. Cabinet d'instruction attendait hier lundi 31 mai 2021 secrétaire général là-bas au Port-au-Prince maître Robinson Pierre-Louis dans cadre de dossier la mort ancien bâtonnier Port-au-Prince maître Montferrier Dorval qui était mort la caille 28 août 2020 côté Otévine assassiné. Le gouvernement juridiction Gonaïve là maître Sarah Gazis ça fait connaître que la police a arrêté Jacques Robert Guillaume alias Djeko pour implication là comme présumé kidnappé. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.